un petit lumos pour indiquer ma présence. Je vais te violer, Goyle. Viens ici. Où vais-je? Je me suis trompé d'endroit là, c'est pas possible. Où est parti Goyle? Blarda aussi. Je me suis trompé là. C'est bon, ça suffit, c'est bon. Arrêtez! Ça suffit! Ok, stop. Roderick Plumeton. Ce n'est quelque chose. 1889-1987, attrapeur de l'équipe de Quidditch de Grande-Bretagne, détient le record de rattrapage du Vif d'Or, 3 secondes et demie. J'aurais pu dire que j'aurais fait mieux, mais bon, non, c'est pas le cas, dommage. Ok. Vas-y, tu peux le faire. Ça m'a servi à quoi? À rien exactement. Non mais sérieux, ça ne sert à quoi? À part à récupérer des dragées. Qui me serviront visiblement à rien parce que j'ai récupéré tout ce que j'avais besoin de récupérer auprès de Fred et Georges. Oula! Où je vais là exactement? Non, pas possible. Goyle n'est pas passé par là. Il est trop con pour passer par là. Il peut pas passer tout ça. Il a pas pu poser tous ses sortilèges. C'est pas possible. On se fout de ma gueule. Dites-moi qu'on se fout de ma gueule. Je crois qu'on se fout de ma gueule. Dites-moi qu'on se fout de ma gueule. On se fout pas de ma gueule, putain. Comment est-ce que Goyle a pu sauter tout ça? A pu mettre des toiles d'araignée? Comment a-t-il pu mettre des putains de banches, de vignes, de tout ce que vous voulez? Comment a-t-il fait pour... Laissez tomber les dragées. Comment est-ce qu'il a fait pour sauter ça, hein? Comment? Il a sauté, c'est ça, hein? What? Fuck. Isaac. What? Mais je comprends pas. C'est quoi ce truc? Pourquoi ça existe? Je descends de la cheminée, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Je suis là en touriste. Que fait-il là? Oh, je sais. Oh, je sais. C'est là. Hop là. Non, je me trompe. Non, je suis nul en fait. Ah, mais non, c'est là. Comment je fais? Ah, d'accord. Non! Aïe. Hop là. Et comment je fais pour sauter de ça? Faut pas non plus que je. Oh putain, je déteste ce jeu. Je peux pas sauter de ça. Je ne peux pas. Tout simplement, je ne peux pas. Je ne peux pas. En quelle langue il va falloir te le dire? Je ne peux pas sauter ça. Oh putain. Ah, oh. Même pas mal. Fuck you. Je fais comment, putain de chier? Est-ce que j'ai fait la pire erreur de ma vie? Je crois que oui. Bon, c'est pas grave. Je resserrai en or. Rien à foutre. Ça m'énerve. Crève. Toi aussi, là. Sans déconner, crève. Voilà. Voilà. Oh, mais... Oh, un trou. Oh, un trou. Tu vas mourir. Parce que je l'ai décrété. Regarde ça. Tu vois le trou. C'est ta mort. Au revoir. Ah, bah, d'accord. Moi, il me fera plus chier. Non! J'ai dit non. Non, c'est non. Et non, c'est non. Merde à la fin.
Il y a combien de passages secrets? 8. Ça va être long à retrouver Goyle. Hein. Retrouver Goyle, ça doit... Ça... Trouver Goyle. Il a pas pu passer par là. C'est pas possible. C'est Goyle dont on parle. Hein. Depuis quand Goyle, c'est un athlète? Qu'est-ce que c'est que ça? Pas obvious qu'il y a un truc là? Je sais pas. Je suis seul à trouver ça obvious. Arrête de te plaindre. Allez, tombe. Tombe dans ta déchéance. Maintenant, va par là. Ah là, bon. Ouf, tu vois. Toi, tu vas crever. Arrête. Arrête. Mais non, mais je voulais pas le faire de mal. Voilà, il se relève. Qu'est-ce qu'il fait? Mais t'as à manger, là. Je fais attention. Voilà, mets en crève. Allez, vas-y. Rends dans, dans ton terrier, là. Saloperie. Bon. Oh, putain, mais où est-ce que je dois aller? Arrêtez! À moi. Allez. T'es sérieux? Tout ça pour ça? Juste pour ça? Oh putain, je vais le tuer, je vais le tuer. Oulala, vous avez failli. Vous l'aurez fait, vous serez mort. Ouais, ça sert. Oui, ça servait à rien. Vraiment, ça servait à rien. À rien. Bon. Je crois que je vais arrêter l'épisode là parce que. Ça commence un petit peu à m'énerver. À moi. Il a failli me foncer dessus, j'ai failli mourir. Béatrice Bloxam, 1793-1810, auteur de contes de fées du crapaud interdit, cause, car causant des nausées. Mais c'est qui ces fous? C'est qui ces fous? Où ai-je encore atterri? Voilà, lui il s'est suicidé, vous êtes content? Hein? Vous êtes content, j'espère. J'espère que vous êtes content. Il s'est suicidé. Il est tombé partout. Il y en a partout, il y a du chocolat partout maintenant. Ah, c'est qui va nettoyer, hein? C'est Ruzard, il va encore me taper dessus. Je me casse. Je sais pas où je vais, franchement, je suis perdu. Je suis perdu, littéralement, je suis perdu, je sais plus où aller. Je sais plus, je sais plus. Je sais plus où je suis, là, je sais plus qui je suis. Je sais plus pourquoi je suis là, il y a un passage secret dans le passage secret, j'en ai marre. Ah, c'est bon, il n'y en a plus, voilà. On est tous contents. Là, un petit coup, un petit coup. Allez, un petit coup, hop. Oh, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre, ça suffit. J'en ai marre, je me casse. Cassez, c'est bon, hein. Hein? Putain, mais arrêtez. J'en ai marre. On va se calmer. On va se calmer. On va se calmer. On va réfléchir à une solution. En quoi c'est un passage secret ici, en fait? En quoi c'est un passage secret? Je n'en sais rien. Divelin Corne Blanche, 1945. Aujourd'hui, fondateur de la société Ballet de Course Nimbus. Il y a des sociétés qui servent à rien de nos jours. Bon. Je me calme. Ok, d'accord, je me calme. Voilà, je suis un fou. Voilà. Putain de merde. C'était quoi ce bordel ?
à moi. Mais il y a des cartes de partout, putain. Donnez-moi des... Oh, des oranges. Des argent. Edgar Strudger, 1703-1798, inventeur du scrutoscope. Oui, magnifique, mais je m'en fous. Ah putain. Non. Alléluia. Voilà. J'espère que vous êtes fiers là. Vous m'avez fait perdre mon temps. Maintenant je dois faire la outro, hein. Voilà. Non, c'est Lumos là. Lumos. Oh putain, il est drain mon sang là. Arrêtez. Drain mon sang là. Non, vous pouvez rien faire. Ah, je suis Harry Potter. J'ai failli crever. Mais je t'emmerde toi, je vous emmerde tous. Je sais pas pourquoi je suis là, je sais pas pourquoi j'existe. Arrêtez de m'envoyer des gargouilles à la gueule. Pourquoi il y a tant de gargouilles en fait? Je comprends pas pourquoi il y a autant de gargouilles. Qu'est-ce qui se passe? Non. Je vais pas crever, pas maintenant, pas tout de suite, aujourd'hui. Parce qu'il fait son, c'est ça qu'il y a des gargouilles, c'est ça? Hein? J'ai envie de dire, ça n'éclaire rien. C'est pas dire. C'est fini? Dites-moi que oui, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est fini, j'en ai marre. Mais pourquoi il est passé par là, Goyle? Vous êtes sérieux? Je crois qu'ils ont pas compris qu'en fait je cherche Goyle. Je crois qu'ils veulent que je meure. Non, je veux pas mourir. Ah, je veux juste trouver Goyle, putain. Bon, on va arrêter l'épisode là, si vous voulez bien. Ben, je sais pas, moi, genre, à la fois j'ai envie de continuer et à la fois j'ai envie d'arrêter parce que ça fait déjà très longtemps que je tourne. Ça fait 1h30, bientôt. Dans 9 minutes, ça fera 1h30. Là, ça fait 1h21 et 54 secondes que je tourne. Juste pour vous dire. Bon, qu'est-ce que je fais? Je suis possédé, j'arrive plus à trouver mes touches là, ça y est. Mais c'est pas bientôt fini, putain! Bon, j'essaie de trouver un passage secret, un point de sauvegarde, et ensuite j'arrête là, parce que ça devient vraiment n'importe quoi, là. Je cherche Goyle, pas Madame Chougrave. Ah, ils sont fous. C'est censé être amusant, tout ça. Parce que là, je souffre. Gna gna. Pas crever. Voilà, tu sautes, petit gnome. Mouna, 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 mouna. Mouna, 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 mouna. Fiche-moi la paix, fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Dis-toi que c'est terminé. Oh non. Je vais pas mourir. S'il vous plaît, pas maintenant, pas tout de suite, pas aujourd'hui. Pas demain non plus. Non, parce que demain j'ai. Demain j'ai pas envie de mourir. Oui. Hop là. J'ai pas du tout envie de faire le montage de ces épisodes là, parce que je sais que je vais en chier. Cette feuille flotte, c'est magnifique. J'essaie de le tuer avant qu'il meure. Oui, j'essaie de le tuer avant qu'il meure, c'est logique ce que je viens de dire. Bon. Oui. Tais-toi. Juste, tais-toi. Tais-toi. C'est terminé. Si oui, on pourra continuer. Merci. Vous puez, laissez-moi tranquille. Pourquoi il faut des bruits d'humains? Pourquoi il meurt? C'est terrifiant, je tue des gens en fait, c'est ça?
Ils sont vivants, c'est ça? Est-ce qu'il y a une corde là? Oui, il y a quelque chose là. Là. Oh, nom de Dieu. Merci. Une nouvelle clé, alléluia. J'en ai deux, plus que trois. Plus que deux, pardon. Il me semble. Il y en a quatre ou cinq? Je crois qu'il y en a quatre, que quatre. C'est ça, il y en a que quatre des clés. Circé, je connais. Grèce antique, vécu dans la Grèce antique avec Aïa. D'accord. Aïa. Transforma des marins en cochons. Ok, c'est quoi ton kiff, moi? Je transforme des marins en cochons, je trouve ça marin. Après, ils me groignent dessus. Il y a des gens, ils ont des occupations. Shallow. Ah non! Le voilà. Il dort comme un bébé mal bercé. Qu'est-ce qu'il fout là? Même dans le livre, il ne fait pas mention d'une grange dans laquelle Goyle mange et dort. Alors, expliquez-moi. Qu'est-ce qu'il fout là? Expliquez-moi. Et j'ai manqué deux secrets. J'ai manqué deux secrets. Il n'est pas question que je refasse ce truc. Oui, j'ai pris des poils de son ventre. Ok. Il faut que je rapporte le morceau de Goyle à Hermione dans les toilettes de Lily Géniard. Bon, on va s'arrêter pour cette fois-ci, d'accord? Bon, j'espère que vous avez apprécié cette longue session de 1h30. Je sais que vous n'avez pas regardé tout d'une traite et que je n'aurais pas fait d'un épisode de 1h30. J'aurais fait environ 20 épisodes de... J'aurais fait donc... Ça fait 4 épisodes, je pense. Ouais, c'est ça, 4 épisodes de 20 minutes, je pense, environ. Ou 6, ou 4, ou 5 de 15. Je sais pas. Bref, je sais pas ce que je vais faire avec ces épisodes. Mais c'est pas grave. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous vous abonnerez à la chaîne... Si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like, de la partager sur les réseaux sociaux, ça m'aiderait beaucoup. Je sais que c'est la troisième, celle-là, et ensuite ça va être la quatrième, celle-là, juste pour me faire chier. Parce que là, si je me baisse, je peux passer. N'oublie pas de lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Toujours. Moi, je dis salut à tous, je vous vois dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, tout le monde.